Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul, donc ça va être un haul The Fool encore une fois, parce que ils m'ont recontacté. Pourquoi tu me regardes un peu? Je vais vous refaire un haul The Fool parce que j'ai reçu il y a 2 jours je crois, mais j'ai toujours pas ouvert. Enfin, je vous avais fait un snap, vous voyez, j'ai ouvert comme ça. J'ai reçu 2 colis. Je vais ouvrir tout ça avec vous. Ça va être une vidéo unboxing, du coup je vais essayer de vous faire des try-on. Je vais essayer aussi de pas parler trop vite, parce que dans mon dernier haul on m'a dit ouais tu parles trop vite, on dirait t'aimes pas faire des vidéos et tout. Si, j'aime bien faire des vidéos, sinon j'en ferai pas. Puisque voilà quoi, je suis plus à l'aise je pense en vlog qu'en vidéo posée comme ça. Ils m'ont recontacté et ils m'ont demandé de choisir des produits sur The Fool et aussi sur un autre site. Donc c'est la même personne qui m'a contacté, qui s'appelle Rose Gall. En fait c'est une filiale de The Fool. Les produits que j'ai reçus, enfin dans les 2 colis, The Fool partout en fait. C'est-à-dire si vous commandez des produits sur Rose Gall et bah, vous allez recevoir des trucs The Fool en fait. Donc, je pense que c'est un peu la même qualité, mais après c'est vrai que j'ai regardé le site et c'est vraiment pas du tout le même style. Moi j'ai pris des articles de mon style, évidemment ça va peut-être se ressembler tout ce que j'ai pris, mais c'est vrai que les 2 sites ne sont pas du tout pareils. Et si je devais dire lequel je préfère entre les deux, évidemment je préfère The Fool. Je crois qu'il me manque encore un autre colis qui n'est pas encore arrivé, mais là je filme la vidéo parce que... Sinon mon panier à linge va être rempli et j'aurai plein de lessives à faire. Du coup bah je fais la vidéo en 2 parties. Pour les prix, tous les liens sont en barre d'infos. La dernière fois que tu m'as pas dit les tailles, nanana, tout est en barre d'infos. Vous avez mis les tailles et les liens. Donc quand vous cliquez sur les liens, vous avez les prix, etc. Parce que je peux pas tout vous dire, je m'en rappelle plus en fait. On va commencer par Rose Gall pour que vous voyez un peu ce qu'ils proposent. Parce que j'avais jamais commenté en fait sur le site. Je vais quand même vous dire les tailles si je les vois, enfin si j'y pense en fait. Donc déjà j'ai pris un maillot de bain. Donc c'est un maillot de bain rouge comme ceci. Les maillots de bain de chez The Fool sont vraiment très bien. Et j'ai jamais été déçue des maillots de bain de chez The Fool. Donc voilà, lui il est rouge comme ça. Donc je l'ai pris en taille S, mais vraiment ils sont trop bien. Le bas il est comme ça, mais le rouge il est vraiment trop trop beau. Taille S, et je sais que sur The Fool la taille S me va. J'ai pris le même sauf en orange. Il est trop beau aussi. Et pareil le bas. Donc voilà, le bas il est comme ça et le orange comme ça, c'est trop trop beau, j'aime trop. Pantalon, donc il est trop trop beau. Donc il y a la petite étiquette The Fool. Donc c'est un pantalon comme ça, couleur un peu beige marron, avec une bande ici et vous voyez le bas il est comme ça. Et ça genre, il a l'air parfaitement à ma taille, vu que je suis archi petite et voilà, les pantalons comme ça vraiment, ça fait habillé et confortable en même temps, j'adore. Ensuite... j'ai pris le même pantalon que j'ai là et en taille S celui-là, mais comme vous l'avez vu peut-être sur ma dernière vidéo, enfin vous avez vu qu'il était un peu large, mais j'aime beaucoup quand c'est un peu large, pas quand c'est trop serré. Mais ce pantalon il est vraiment bien en fait. C'est un pantalon où vous avez un côté plus foncé que l'autre sur le devant, vous avez 2 teintes de bleu différents en fait sur ce pantalon et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc ensuite, toujours sur Rose Gall, hein, j'ai pris un pantalon avec des roses. Il est trop moche. Enfin, il est beau, mais genre les roses elles sont pas. Enfin, elles sont pas très bien faites. Oh, en fait, c'est un truc qui est collé comme ça. Genre, vous voyez la qualité. Ça, je l'ai pris en taille S et c'est un pantalon taille haute. Voilà, comme ça. Je pense qu'il va m'aller. C'est juste les roses en fait qui me dérangent. Ensuite, ça, c'est un pantalon. Ça, c'est en taille M. Je l'ai pris en blanc, donc ça veut dire qu'il y a du noir, je crois. Je me rappelle plus trop de ce que j'ai pris donc. Oh, ah ok, en fait c'est un pantalon comme ça, tout blanc avec une bande noire. Vous avez un lacet là, il faut mettre là. J'espère qu'il va m'aller. Et en bas c'est resserré. Donc voilà, ah, il a l'air archi bien. C'est le dernier article de chez Rose Gall. Donc du coup le dernier produit de ce colis là, c'est un pantalon, je crois. Ouais, en fait c'est un pantalon. Un pantalon comme ça. Je sais pas si j'aime bien. En gros c'est ouvert aux jambes et genre ça a l'air d'être super stylé pour l'été et tout. Donc maintenant on va passer au site The Fool. Alors le premier article que je prends, c'est ceci. C'est en taille S.
Donc je vous préviens, j'ai pris plein de choses en plusieurs fois, enfin surtout les hauts, parce que genre j'aime bien avoir des hauts comme ça, vous voyez, et souvent je les ai pris en noir, en blanc, en rouge, en... enfin toutes les couleurs quoi. Du coup ça va être les mêmes, mais c'est pas grave, vous allez voir quand même. Et un top comme ça, archi beau, j'aime trop trop trop. Il existe aussi en blanc, trop, ça se voit qu'il est bien, genre il est bien élastique et tout, genre j'aime trop. J'ai pris un haut comme ça. Ah ouais, ce haut je le voulais depuis longtemps. Ça je l'ai pris en taille M. Je crois que j'aurais dû le prendre en taille S parce qu'il a l'air un peu grand. Normalement c'est censé porter serré, vous voyez. En fait c'est un haut comme ça, tout simple, avec des boutons ici. Au blanc tout basique, je crois qu'il existe aussi en noir. Ensuite j'ai pris un top. Donc, ça je l'ai pris en taille M. Donc c'est un top rouge comme ça, tout simple, en tube top. Enfin, j'adore les trucs comme ça, vous voyez. Enfin, tous les trucs comme ça de chez Zafou, ils sont vraiment bien. Donc voilà, si vous avez envie de commander, vraiment, n'hésitez pas. Donc ensuite, j'ai pris le même, sauf en blanc. J'ai pris d'autres tube top. Sauf que lui, il est noir et il y a des petites bandes comme ça sur le côté. J'adore, voilà. Super joli. Je l'ai aussi pris en rouge. En rouge, comme ça, il est trop beau, j'aime trop. Ensuite j'ai pris un haut beige avec une fermeture au milieu, donc je l'ai aussi pris en noir. Oh, la fermeture noire elle est trop belle, j'aime trop. Aussi en blanc, donc avec la fermeture dorée, voilà, il a l'air d'être trop beau. La fermeture est marrante, ouais, elle a l'air d'être bien. Donc c'est un body, mais ça je l'avais déjà pris je crois, je me souviens même plus de ce que je prends. Body en bordeaux violet comme ça là, que j'ai pris en taille M. Donc je vous ai dit, hein, c'est mieux de prendre les body en taille M parce qu'ils sont serrés. J'en avais déjà essayé un noir et il était super serré. Donc en taille M c'est mieux. Donc le même en blanc. Ensuite ça donc, que j'ai pris en taille M. Oh, oh, il a l'air d'être trop bien. J'aime trop les hauts comme ça. En fait c'est des hauts que tu peux mettre avec n'importe quoi. Genre. Voilà, j'aime trop, donc ça se porte comme ça aux épaules et tout. Trop beau. Ça je crois que c'est le même en noir. Ouais, c'est exactement le même en noir. Même en blanc. Voilà. Super. Donc là, désolé si ça va vite, mais je vais pas dire la même chose pour les trois mêmes tops. Enfin, vous avez compris. Ah. Oh, y a plein de fils qui dépassent sur ça. Ça a l'air d'être grand. Donc c'est un haut comme ça avec des bretelles et c'est un volant. Là, vous voyez. Donc voilà, ça je l'ai pris en blanc aussi je crois. Ouais, je l'ai pris en blanc. Ça a l'air d'être pas mal. J'ai pris aussi cet ensemble là en fait. C'est un ensemble avec une jupe. Voilà, plus de téléphone qui sonne. Voilà, alors là c'est le bas, donc c'est une jupe. Donc ça aussi prenez-le en taille M parce qu'en taille S ça a l'air d'être super petit. Et le haut, c'est un haut comme ceci. Voilà. Trop, trop beau. Commandez aussi des choses en dehors de Zafoul et tout. Commandez donc sur Asos des lunettes de soleil. Donc c'est les Key Australia. Je pense que vous avez dû les voir sur Insta Story. Key Australia de Kylie Jenner. Donc celle qu'elle a faite. En fait, c'est celle-ci. Ma soeur a dit qu'on dirait des lunettes 3D, mais moi j'ai. J'ai pris un pantalon sur le site Adidas parce que je voulais un pantalon à porter vraiment tous les jours et avec tout, un truc assez confortable et tout, donc du coup j'ai pris le plus basique, celui que je porte, et voilà, qui a coûté 35 euros, et les lunettes 70 euros. Je me rappelle vu que j'ai commandé un article seulement à chaque fois sur chaque site. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre un petit commentaire, pour rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce que je poste tous mes outfits, donc voilà, vous pouvez me suivre, c'est en barre d'infos. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Turn my swag on. Took a look in the mirror, said what's up, what's up. Yeah.